aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment pirater certaines applications, pas toutes, les applications en ligne. Ça ne fonctionne pas, certaines applications aussi ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne sur beaucoup d'autres applications. Donc l'application pour hacker c'est Lucky Patcher. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment le télécharger et comment hacker les jeux avec. Donc, du coup, vous allez sur Google et vous tapez Lucky Patcher Official Website. De toute façon, les liens seront en description. Sur ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, là, vous arrivez ici. Donc, vous tapez sur le deuxième. Donc, V8.6.5. Vous arrivez sur cette page normalement. Ça, c'est la page où est-ce que vous allez être si vous appuyez sur le lien qui est dans la description. Voilà, donc vous arrivez ici, vous descendez un peu, voilà. Voilà, c'est ici. Lien du téléchargement, télécharger LP installé. Donc vous appuyez dessus. Là, vous êtes redirigé ici et vous faites télécharger. Voilà, vous faites OK. Voilà les gars, c'est comme d'habitude, c'est des téléchargements pas longs, ça dure pas des millénaires. Donc voilà, vous patientez un peu. Voilà. Donc là, faut bien écouter, vraiment bien écouter ce que je vous dis de faire parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous appuyez sur installer. Voilà, vous faites ouvrir. Là, ça va vous rediriger vers une page comme ça, là où vous faites autoriser. Là, voulez-vous vraiment installer Lucky Patcher V8.6.5? Là, vous faites oui. Donc là, vous attendez le téléchargement de Lucky Patcher. Là, c'est peut-être le téléchargement le plus long de la manipulation, quoi. Donc là, c'est... Voilà, là, vous avez LP installé, vous allez dans paramètres. Là, vous faites OK. Là, vous activez ça. Maintenant, vous pouvez l'installer. Donc, Lucky Patcher. Voilà, là, vous faites OK. Bon, je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Là, ah oui, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié. Faut désinstaller LP installé. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous prouver que ça fonctionne et du coup je vais installer un jeu. Bon, c'est qu'on va faire simple, Subway Surfer on va faire, ce sera le plus simple parce que bon les gars je vais pas chercher très loin quoi, je vais faire avec ça. Voilà, donc là vous attendez le téléchargement de Subway Surfer. Donc voilà, c'est... Après, je vous montre ce Subway Surfer parce que... Enfin voilà, parce que de toute façon, il faut bien que je vous montre avec un jeu. Mais sinon, vous pouvez le faire avec plein d'autres jeux. Là, je vois, il y a ici Passibit. Je crois que ça fonctionne. Rider, je suis sûr que ça fonctionne. Je l'ai déjà fait. Normalement, Score Hero, ça fonctionne également. Et vous voyez, comme des jeux, par exemple, comme Clash Royale. Ou FIFA mobile, ça fonctionne pas ça. Ça pourquoi? C'est parce que t'es des jeux en ligne. Et ce Subway Surfer, c'est pour hacker des jeux uniquement hors ligne. Et quand je dis ça, et il y a même des jeux hors ligne que ça fonctionne pas. Mais il reste quand même, c'est une énorme gamme d'applications que vous pouvez hacker. Voilà, donc vous attendez. Que ce Subway Surfer soit installé. Après, voilà, je vous montre ce Subway Surfer, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire avec plein de trucs. Hein. Là, il y a plein de jeux que vous pouvez faire aussi. Voilà, donc là, dès que c'est installé, vous allez ouvrir Lucky Patcher. Voilà, là, vous allez ouvrir. Là, vous faites, on s'en fout, c'est pas grave. Ok, là vous faites d'accord, ok. Alors ça vous faites non, non, c'est pas important.
Ah oui, là, faut que vous appuyez sur oui. C'est pour désinstaller ça. Et du coup, ça va réinstaller un truc. Et en fait, ce truc, ça va vous permettre de d'hacker les applications, quoi. Ça va être pour si vous voulez acheter des trucs dans la boutique ou quoi, que gratuitement, quoi. Voilà. Donc là, vous arrivez sur cette page-là et sur cette page-là, donc vous voyez, il y a toutes vos applications que vous avez normalement sur votre téléphone. Donc moi, vous regardez, moi j'ai Call of Duty, j'ai Minecraft. Voilà. Mais nous, ce qui vous intéresse, c'est Subway Surf. Donc là, vous faites menu des patchs, là, ici. Créer un APK modifié. Là, il y a APK avec patch multiple. Ça, c'est pour faire plein de patchs. Mais voilà. De toute façon, tous les autres, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Celui qui va nous intéresser, c'est APK reconstruit pour l'émulation INAP et LVL. Voilà. Donc, vous appuyez sur ça. Là, ça vous amène là. Bon, c'est pas grave. Vous touchez à rien. Vous faites reconstruire l'application. Là, voilà. Donc, bon, là, ça va être. Là, je vais pas vous mentir que ça va être un peu long quand même. Voilà, je vais pas vous mentir. Ça. C'est long, quoi. Allez. Bon, ouais. Bon les gars, au pire ce que je vais faire c'est que je vais vous le couper au montage et on se retrouve à la fin de ce téléchargement. A tout de suite. Re les gars, donc normalement à la fin du téléchargement vous arriverez sur cette page là. Donc là vous faites aller au fichier, désinstaller et installer. Donc là en gros ce que ça va faire c'est que ça va déjà. Ok, mince, pardon, excusez-moi. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va désinstaller ce Subway Surfer pour pouvoir réinstaller la version hackée. Donc là, c'est l'installation. Bon, ça, c'est pas grave, ça limite. Voilà. Là, vous arrivez ici. Voilà, le processus d'installation est en cours. Voilà les gars, voilà l'application fractionnée Subway Surf installée avec succès. Donc du coup, maintenant que tout ça c'est fait, vous retournez ici et je vais vous montrer quand même que ça fonctionne, que voilà, c'est pas du fake. Je vais quand même vous montrer les gars. Voilà, donc là c'est pas grave, la limite c'est faire, hop, on sélectionne. Voilà. Voilà, bon, ça c'est pas grave. Allez, allez. Ok, bon, ça on va mettre un truc au pif. De toute façon, c'est pas important. Là, voilà, c'est pas important ça. Bon, j'imagine qu'on va devoir faire la première truc. Ah, ouais, d'accord. Bon. Bon les gars, excusez-moi, mais on va faire le tutoriel parce que je crois qu'on est obligé. Je voulais mourir dès le début, mais apparemment, c'est pas possible. Bon, vas-y. Voilà, vas-y. Ah les gars, c'est ce jeu-là. Ah, ce jeu-là, j'en ai fait des jours dessus, hein. J'en ai fait des jours et des jours dessus. Oh là là. Bon les gars, voilà. Voilà, après que ça c'est fait, là du coup je vais vous prouver que ça fonctionne. Donc on va aller dans le shop. Ouais non, vous savez quoi, on va aller là direct, c'est carrément plus vite. Donc là voilà, donc quand vous allez sur Store, quand vous voyez que normalement le prix est normal, ça vous met des chiffres 0,84, tu vois, 0,38 et tout. Ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc là, du coup, vous appuyez sur l'offre que vous voulez. Vous arrivez sur cette page-là. Donc là, vous pouvez appuyer ici.
sur le deuxième bouton, c'est en gros à chaque fois que vous voudrez acheter cette offre de nouveau, bah en fait ça va pas vous remettre la page là, mais ça va vous le faire direct. Donc là je vais le faire, voilà, et voilà, et voilà les gars, regardez en haut à droite, bah j'ai l'argent qui s'est injecté. Voilà, donc vous pouvez même acheter des offres. Oui, des offres. Là, il y a tout. Il y a vraiment de tout, les gars. Bon, bah voilà, voilà. Les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu, à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, les gars, moi, je vous dis